room is it? Okay, that's the room. I can't even repeat the name again. I would hope to see all of you there. It is a very, very significant moment in our life. Finally, we have echoes, and finally, our message is resonated. Shuk tashakkur. Thank you very much. I now would like to invite the Minister of Trade and Industry of Burundi, Minister Dikuman, to the podium to address us, and we welcome her to Istanbul. Madame la directrice exécutive du CCI, Monsieur le secrétaire général de l'OMT, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé, je suis probablement la moins qualifiée pour me tenir ici devant vous et m'adresser à vous, étant donné que le secteur pour moi du tourisme est tout à fait nouveau et que je m'y intéresse depuis autour de 6 mois seulement. Donc c'est avec plaisir que je suis ici. Je suis ici pour apprendre. Donc c'est dans cet esprit-là que je me permets de m'adresser à vous. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement et le peuple turc pour toutes les dispositions qui ont été prises pour faciliter ce travail dans cette belle ville. Je voudrais aussi remercier sincèrement la directrice exécutive du CCI et ses collaborateurs de nous avoir donné cette chance, spécialement pour les paiements, de nous rencontrer afin d'échanger nos expériences et de présenter à la communauté internationale les progrès accomplis et les défis à relever pour notre développement, afin d'imaginer ensemble de nouvelles mesures de soutien et actions en notre faveur. Distingués invités, mesdames et messieurs, on l'a déjà dit, le tourisme international est une des industries les plus importantes en termes de création d'emplois et de sources de recettes en devises pour bien des pays. En Afrique, le tourisme enregistre une croissance positive malgré les contre-coups de la dernière crise financière et économique mondiale. L'intégration économique des pays dans des entités plus vastes ouvre pour nous, pays PMA, une opportunité de développer des services divers qui sont facilités par la libre circulation des personnes et des biens. Et parmi ces services, effectivement, comme on l'a dit, le tourisme occupe une place de choix, car son potentiel est disponible, contrairement au commerce traditionnel des biens, où les PMA accusent plutôt une faiblesse chronique de capacité d'offre à l'exportation. Après une longue crise qui a sévi au Burundi pendant plus d'une décennie, le pays se stabilise et la paix et la sécurité se consolident graduellement. Des élections démocratiques générales ont été organisées avec succès en 2005 et en 2010. Et les nouvelles autorités s'attellent à la reconstruction de tous les secteurs de la vie nationale. Je dirais qu'aujourd'hui, le Burundi est un vaste chantier dont les axes prioritaires ont été définis pour le long terme dans ce que nous appelons Vision 2025 et pour le moyen terme dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, CCLP, qui a couvert la période 2007 et 2010, ainsi que dans le CCLP en cours de finalisation pour 2011 et 2015. Cet exercice permet à notre pays de jeter les bases d'un développement durable et équitable, en même temps qu'il met en place des incitations pour encourager et attirer des investissements du secteur privé, tant national, régional qu'international.
Et dans ce contexte, le tourisme apparaît comme un secteur prometteur, pouvant servir de levier de croissance économique grâce à l'effet d'entraînement qu'il a sur de nombreux autres secteurs. Et c'est pourquoi le gouvernement du Burundi a ciblé le tourisme parmi ses axes prioritaires. Une stratégie nationale de développement durable du tourisme 2011-2020 vient d'être adoptée en avril 2011 par le Conseil des ministres. Cette stratégie a été développée en partenariat actif avec le secteur privé, la société civile et les agences spécialisées des Nations Unies. Le développement du tourisme au Burundi est donc encore à ses débuts. Néanmoins, il sied de rappeler que le Burundi possède un potentiel touristique indéniable, manifesté par le premier prix de meilleur exposant au niveau de l'Afrique, décerné au Burundi lors de la Foire internationale du tourisme, qui s'est tenue à Berlin en Allemagne du 9 au 13 mars 2011. Distingués invités, mesdames et messieurs, le processus d'élaboration de la stratégie nationale de développement durable du tourisme nous a permis de faire des constats et de tirer quelques leçons que nous voudrions partager avec vous. Premièrement, la paix et la stabilité politique sont des conditions sine qua non de tout développement socio-économique en général et du tourisme en particulier. Le touriste déserte les zones de destination instables ou en conflit. La crise récente dans les pays du Maghreb en est un exemple éloquent. Les paiements en général, et le Burundi en particulier, doivent faire de la consolidation de la paix et de la stabilité politique la priorité numéro un pour asseoir les bases d'un développement durable du tourisme. Et de son côté, vu comme moteur du développement économique et social, le tourisme devient également un instrument de consolidation de la paix. Deuxièmement, l'intégration dans des ensembles régionaux plus vastes présente des atouts indéniables pour les paiements qu'il convient d'exploiter à bon escient. Pour le Burundi, l'intégration régionale présente des atouts tant économiques que politiques. On a vu en effet que les conflits ayant eu en cours dans la région des Grands Lacs par le passé ont eu des influences négatives les uns sur les autres. L'intégration garantit donc la paix et la stabilité dans la sous-région. Et en matière de tourisme, les États de la communauté de l'Afrique de l'Est, dont le Burundi est membre, ont déjà adopté le principe d'octroyer un visa touristique unique et de mener des actions de promotion de l'Afrique de l'Est comme destination unique. Un des précédents orateurs l'a dit, ceci permet également de réduire les coûts. Troisièmement, il faudrait promouvoir le tourisme dans une perspective de favoriser un développement équitable et durable. On l'a vu, le développement du tourisme a des retombées positives sur d'autres secteurs d'activité. Au niveau géographique, le tourisme peut induire un développement équilibré de plusieurs zones géographiques du pays. En effet, les investissements touristiques et hôteliers ayant lieu généralement en dehors des zones économiques traditionnelles principales, ils contribuent à l'essor économique et à la création d'emplois dans des zones souvent marginalisées. Ainsi, les zones touristiques peuvent devenir des pôles de développement secondaire, réduisant par conséquent l'exode rural et les écarts immenses entre les villes et les campagnes des PMA. Au Burundi, le développement des sites touristiques répartis à travers le pays permettra d'injecter des revenus dans les communautés environnantes et partant d'améliorer les conditions de vie de la population et de la stabiliser sur place. Et quatrièmement, enfin, il faudrait renforcer, bien sûr, le partenariat public-privé dans le développement du tourisme. Le tourisme est un secteur multisectoriel.
L'approche de développement du tourisme doit être également multisectorielle pour aboutir à un développement harmonieux et équilibré. La participation active du secteur privé, de la société civile, de l'administration, des collectivités locales, des services techniques divers et des communautés concernées est primordiale tout au long du processus de conception et de mise en œuvre de toute stratégie de développement du tourisme. Au Burundi, une telle démarche a permis un éveil et une prise de conscience du secteur privé sur les opportunités d'investissement existant dans ce secteur. Le résultat est qu'il y a de plus en plus d'investissements dans la construction des hôtels, dans la création de sociétés de tour operators et d'agences de voyage. Le gouvernement a par ailleurs mis en place des structures de concertation et de dialogue permanent entre le secteur public et le secteur privé sur toute question d'intérêt mutuel pour soutenir cette dynamique. Mesdames et messieurs, distingués invités, en conclusion, je dirais que le tourisme est pour nous un secteur d'avenir. Cependant, bien sûr, son développement nécessite une mobilisation de ressources importantes, capables de répondre aux besoins du secteur, tant en termes de législation que de renforcement des capacités, de construction d'infrastructures nécessaires, de marketing, etc. Et nous sollicitons donc les agences du système des Nations Unies et les autres bailleurs traditionnels et nouveaux pour nous accompagner dans ce programme ambitieux pour notre pays. Et je voudrais, en terminant, saisir cette opportunité pour saluer l'initiative des agences du système des Nations Unies et les féliciter pour cette initiative qui permet ainsi d'apporter un support consolidé au PMA dans le domaine du tourisme pour le développement durable et la réduction de la pauvreté. Merci de votre bonne attention. Thank you very much, Madam Minister. And last but by no means least, our very, very important colleague in Switzerland, the Ambassador of Switzerland to the WTO, who has been a supportive partner of ITC through, I think, many, many years. And we welcome you, Lucius. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. I don't have to wonder what number I am. When your name starts with W, you are always among the last speakers. Well, I was presented and introduced here first as an expert. What is my expertise in tourism? Well, that's the area where I have learned how dynamic a career can be, starting as a shoe cleaner in a hotel. After 3 days, I was chef de reception. How come? I had two competitive advantages. First, I knew how to say good morning in four languages. My competitor only in one. And I used it, I said good morning. My competitor didn't. So I think the training of people in tourism is absolutely fundamental. And that's why it's an area where many students can develop a career. Usually they have a minimum of education and even some basic rules how to behave with other human beings. It was not always like this in my valley up in the mountains. When people traveled through this valley in the Middle Ages,
Usually they were shot and dropped out. Then a huge development gap was finally closed. They no longer shot them. They became hunters, but they robbed them. And then they got specialized in transporting goods over the mountains. And the human beings were just accompanying the goods. They were focusing on goods. They put them in shelters. And by the way, they also put the people in these shelters. Well, this industry managed to create a certain number of jobs because they breeded 3,000 horses a year in the valley just for transportation. Then the railway came and the well-being went off. They didn't know how to structurally adapt. They have kept a heart for tourism, especially a heart for the purse of the tourist. And it took them a long time to learn that in exchange of money, they should deliver a service. Today, they have even learned to deliver a service. They have not all learned to say good morning. But things have improved. They got specialized in winter tourism. And this was fantastic because in winter, the farmers had not much to do. So they could work for tourism. Now things are changing. And we are creating a natural park, a regional natural park. I'm the chairman of that regional natural park. And we try to combine sustainability, the three dimensions of sustainability, with the traditional tourism. And of course, the local specialists consider us these people. They don't understand a thing. Only they understand. For more than 40 years, they have now a diminution of the number of guests, but they are specialists. I'm not. The second adventure with tourism was much shorter, much more challenging. I was